You are saying to the human race for the first time, an official intelligence representative at a high level from the US government is saying publicly, We are not alone. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah. Do we have bodies? Do we have species? Of well, naturally, um, when you recover something that's either landed or crashed, um, Parfois, vous rencontrez um, des pilotes morts. Uh, et croyez-le ou non, fan fantastique ça true let c'est vrai. Euh, Laissez-moi regarder si je suis dans le cadre. Salut à toutes et à tous. Ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo sur cette chaîne, ou alors les vidéos que je fais, ce sont des reprises de documents euh, vidéo qui existent déjà ailleurs. Et euh, la raison, je l'ai déjà dit dans mes euh, dernières vidéos où c'est moi qui parle, c'est que, je le redis rapidement ici, nous sommes dans un cycle vicieux qui se répète. Et en réalité, c'est plutôt une spirale infernale. Parce que quand un cycle vicieux se répète, il creuse le sillon et s'enfonce. Nous avons remis à la tête du pays euh, le président actuel. Qui continue logiquement la, la politique pseudo-néolibérale, c'est un terme qui ne veut absolument rien dire, je ne cesse de le répéter. Euh, et, et donc, voilà, ce, le fait de l'avoir ramené à la tête du pays, eh bien, voilà, ça, ça continue cette politique de destruction du modèle social français, et donc, euh, avec toutes les conséquences euh, autres que économiques ou sociales que ça peut avoir, euh, politiques, euh, de défense, de la la position de la France dans le monde, etc. etc. Et donc voilà, on est toujours dans, dans ce cercle, tous les cinq ans, on vote avec ses pieds, on réfléchit pas, on vote avec ses émotions. Euh, Jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas pour qui on va voter, c'est dire, euh, je veux dire, je ne sais pas moi, c'est quelque chose qui se mûrit, qui se réfléchit, le fait de, de voter. Et déjà, voter, euh, d'ailleurs, ce n'est même pas voter, c'est élire, c'est une, une grosse différence. Ici aussi, pas, le fait de les lire comme ça, c'est pas non plus euh, euh, la solution. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui, euh, qui essayent de l'expliquer, notamment Étienne Chouard et d'autres avant lui et d'autres à côté de lui, etc. Donc voilà, tout ça, moi j'en ai un peu marre et je ne suis plus dans ce, dans, ce, dans ce cercle vicieux et cette spirale infernale. Mon intérêt, il est ailleurs. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet et si je devais continuer à faire des vidéos sur ce sujet, je ne ferais que me répéter. On n'est pas en démocratie, on a besoin de démocratie, c'est-à-dire de nous responsabiliser collectivement, individuellement et collectivement, etc. etc. Euh, voilà, j'ai déjà dit ça dans mes, dans mes autres vidéos. Donc, je ne me répète pas ici, et j'essaye de traiter d'autres sujets tout aussi importants et en réalité tout à fait liés. Et peut-être que c'est par un autre de ces sujets qu'on va comprendre qu'on a besoin de la démocratie, enfin que les choses vont s'enclencher politiquement. Euh, euh, voilà. Et donc, l'un des sujets que vous m'avez vu traiter sur, sur cette chaîne, par le biais de, de partage, de repartage de, de vidéos qui existent par ailleurs, en les traduisant par exemple, euh, c'est évidemment le sujet ovni. D'accord euh, Les, les euh, Américains appellent ça UFO vous en avez entendu parler aussi. Sauf que maintenant, le gouvernement euh, américain, et en particulier euh, l'armée américaine, essaie de, de trouver un nouveau terme, parce que, à la fois, pour de mauvaises raisons, le terme UFO en anglais, donc ovni, euh, est trop connoté extraterrestre. Dès qu'on dit ovni, on pense à extraterrestre, alors qu'un objet volant non identifié, non identifié, je vais y arriver, c'est bien quelque chose dont on ne connaît pas la nature, euh, l'origine, euh, etc. D'accord euh, Et donc en anglais, c'est pareil, UFO. Donc voilà, le terme UFO ou ovni est trop connoté extraterrestre. Donc ils veulent, pour enlever le stigmate... Qu'il y a autour de ce mot, ils ont trouvé un, un autre terme en anglais UAP. Je sais plus qu'est-ce que ça veut dire, je le mets sur l'écran. Ça, c'est le côté positif, mais euh, le côté négatif du fait de, de changer comme ça de terme, c'est aussi justement pour éloigner la, la connotation, la possibilité d'une réalité extraterrestre et de dire c'est un phénomène, d'accord. C'est complètement euh, vague, d'accord. Ça peut être un phénomène euh, naturel. Euh, que sais-je, voilà. En tout cas, ils essayent pour le côté négatif, le côté positif, d'enlever le stigmate sur le sujet, et ça, je suis d'accord avec. Je pense qu'il faut arrêter avec ce stigmate de si jamais on parle de soucoupe volante, et eh bien c'est qu'on est, est un fou. Euh, je suis d'accord avec ça. Mais aussi, la, la, la contrepartie, enfin, le, le côté négatif, c'est de dire, ben justement. Euh, on peut parler de ce sujet, mais attention, c'est bien un phénomène, hein, d'accord On n'est pas en train de dire qu'il euh, y a peut-être la réalité d'une présence euh, extraterrestre. Et ça, c'est négatif parce que la réalité euh, de la chose, c'est que oui, nous sommes visités par une ou des civilisations extraterrestres. Je pense qu'à ce stade, dire si c'est une ou des, c'est virtuellement impossible. Donc, euh, laissons le, le doute là-dessus une ou des euh, civilisations extraterrestres. Donc, dans ce phénomène UAP ou euh, UFO ou OVNI, il y a des choses euh, que, ne, que les observateurs ne savent pas identifier et qu'avec les recherches et les ressources suffisantes, on peut euh, clarifier. Eh bien, en fait, c'était un avion ou un drone ou un ballon ou que sais-je, etc. Et puis, il y a, dans un autre domaine, eh bien, c'était ni un ballon ni un avion, etc. Mais c'était un phénomène euh, euh, météorologique ou, euh, ou euh, naturel, etc., etc ou une hallucination euh, ça existe aussi mais tout ça ne nous intéresse pas évidemment il faut savoir il faut trier euh, tout ce qui est euh, compréhensible soit par des éléments humains soit des, par des éléments euh, euh, naturels mais ce qui nous intéresse c'est évidemment ce qui reste euh, et ce qui reste on peut dire bon ben tout ça on n'a pas réussi à l'expliquer donc on le range dans le truc euh, inexplicable mais non il faut pousser euh, le raisonnement avec tous ces éléments inexplicables Qu'est-ce que, en mettant ces éléments côte à côte, quelles sont les, les, les choses que l'on voit se répéter, etc. Euh, quels sont les éléments factuels que l'on peut euh, voilà, répéter, collecter, qui se retrouvent dans la plupart des cas, etc. Et c'est de voir si cette euh, pattern, si ça dessine quelque chose euh, qui correspondrait à une intelligence extraterrestre. En fait, là, je fais tout un, un discours, alors que la réalité, c'est qu'il y a des éléments matériels, factuels, scientifiques, qui montrent, qui prouvent qu'il s'agit bien euh, d'engins euh, intelligemment euh, pilotés, euh, voilà, qui, qui font des, des manœuvres d'évitement, qui font des manœuvres de poursuite, euh, qui réalisent des choses qui sont scientifiquement impossibles dans l'état actuel de nos connaissances, d'accord Nos connaissances scientifiques nous disent ça, c'est pas possible, ça ne peut pas se réaliser. Et pourtant, on l'observe. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Nos, nos euh, connaissances scientifiques ici euh, sont limitées, d'accord euh, voilà donc voilà la réalité c'est que il y a déjà des preuves matérielles pour nous dire que effectivement il y a une intelligence euh, extraterrestre derrière un certain nombre d'observations de ce qu'on appelle en général les ovnis ufo ou uip voilà à côté de ceci de plus en plus de gens en particulier et de façon plus spécifique et plus intéressante euh, de niveau militaire ou de, des agents de renseignement des militaires, des soldats, des hauts gradés, qu'ils soient à la retraite, en général à, à la retraite. Euh, à la retraite, ça ne veut pas forcément dire vieux. Hein. Quand on est à la retraite militaire, on peut être à la retraite à 30 ans ou, ou que sais-je. Euh, ceci pour dire, ce ne sont pas que des vieux qui, qui témoignent et qui donc euh, pourraient peut-être commencer à perdre la tête. Donc voilà. À côté du fait que matériellement, il y a des preuves qui montrent que dans les phénomènes... Qui nous intéresse plus particulièrement de ce qu'on appelle les ovnis, euh, il y a de quoi comprendre qu'il s'agit d'intelligence euh, euh, non non humaine a priori, enfin a priori non humaine puisque elle, elle réalise des choses qui sont scientifiquement impossibles dans l'état des connaissances scientifiques humaines. Il y a aussi donc à côté de ça de plus en plus de témoignages de gens qui sont en responsabilité de la défense des États-Unis en particulier, euh, qui pilotent. Des bombardiers, des bombardiers, des bombardiers nucléaires, ou qui sont là pour euh, surveiller des silos de missiles nucléaires, euh, et puis d'autres qui sont dans le renseignement, d'accord, à des hauts niveaux, etc. Donc voilà, des gens qui sont au-dessus de tout soupçon, à qui on donne des responsabilités considérables, ou à qui on a donné des responsabilités considérables quand ils sont maintenant à la retraite, euh, qui disent publiquement voilà, nous savons. L'armée américaine ou une partie de l'armée américaine ou certaines officines à l'intérieur de, de l'armée américaine euh, savent depuis longtemps que nous sommes effectivement visités. Pour l'instant je, je place ce terme-là, même si en réalité il faudrait le nuancer, l'approfondir, euh, euh, voilà. Visités par des euh, intelligences extraterrestres depuis très longtemps. Non seulement ça, mais parmi les nouvelles informations... Qui, enfin, nouvelles, qui sont officialisées aujourd'hui, donc qui leur donnent un caractère nouveau par le fait qu'ils soient officialisés par ces gens-là, pas officialisés par l'armée elle-même, mais officialisés par des gens qui ont appartenu euh, à l'armée ou, ou au renseignement, etc., c'est que voilà, on serait aussi, enfin l'armée américaine ou une partie des officines à l'intérieur de l'armée américaine sont en possession de ces engins et les étudient et peut-être à pratiquer avec succès ou avec un certain succès ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. C'est-à-dire on, on a un engin qui existe, dont on ne connaît pas l'origine, le mode opératoire, etc., et on essaye de le démonter pour savoir comment il marche, pour pouvoir à notre tour essayer de fabriquer quelque chose de, de similaire. C'est ça la rétro-ingénierie. Et donc voilà, il y a ces témoins, au-dessus de tout soupçon, des hauts gradés, des gens du renseignement, de, de très haut niveau, etc., qui nous disent, nous sommes... En nous avons la connaissance depuis longtemps que nous sommes visités par des intelligences extraterrestres. Nous sommes en possession de certains de ces engins, voire même, nous sommes en possession des corps des pilotes de ces engins et évidemment qui ne sont pas humains. Donc il y a cette ré réalité qui commence à, à faire surface de plus en plus et dont je me fais un relais en, en français parce que je ne vois pas trop de, je cherche pas beaucoup en français parce que la, la plupart des informations viennent des États-Unis et donc sont en anglais. Mais peut-être que si je cherche en français, je peux essayer de trouver quelque chose ici ou là. Mais j'ai l'impression que dans les médias, et même dans la sphère plus générale d'Internet, on en parle, nous les, les francophones, on en parle peu de, de ce sujet. C'est pour, pourquoi les informations sont en général en anglais, et moi je me fais simplement le relais en traduisant ces informations. Mais il est capital de comprendre que ce phénomène et même le terme phénomène m'embête un peu, que cette réalité existe. Et ici, dans cette vidéo, ça fait déjà 12 minutes que je parle, et ici, dans cette vidéo, je voudrais expliquer pourquoi est-ce qu'il est important d'enfin prendre conscience de la réalité de, de, de la présence ou de la visite euh, extraterrestre. La première et la plus importante des raisons, me semble-t-il, c'est que... Ceci est une réalité. Le, la, le, le fait que nous, ne pas, que nous ne soyons pas seuls dans l'univers, premièrement. Deuxièmement, qu'il y ait euh, d'autres intelligences extraterrestres. Enfin oui, d'autres intelligences extraterrestres. Pardon. D'autres intelligences que l'intelligence humaine. Trois, que ces intelligences non humaines, pour, pour certaines d'entre elles, sont tellement avancées par rapport à nous qu'elles nous visitent et qu'elles sont ici. Et peut-être on pourrait même dire quatrièmement qu'elles sont ici depuis longtemps, tellement, long, tellement longtemps, qu'elles sont peut-être ici, avant même que l'homme ait commencé à marcher sur ses deux jambes. Okay Donc ça c'est une réalité. Et la première raison, le fait de, de prendre conscience de ces réalités, c'est important. Pourquoi Parce qu'il est important de voir la réalité telle qu'elle existe et pas telle qu'on veut la croire. Pour l'instant, la majorité d'entre nous, nous continuons à croire dans, un, dans une dans une illusion qui n'est pas la réalité qui n'est pas toute la réalité qui est une illusion limitée l'illusion que nous sommes l'espèce la plus avancée et peut-être d'ailleurs même la seule euh, dans, le, dans le cosmos. ok ça c'est une illusion alors que si on observait la réalité telle qu'elle est effectivement on aurait pris conscience ou on prendrait conscience que ce n'est pas le cas et que c'est une illusion de croire que nous sommes l'espèce la, la plus intelligente voire même la seule espèce d'accord et voir la réalité telle qu'elle est évidemment ça a de nombreux avantages et ne pas voir la réalité telle qu'elle est évidemment ça a de nombreux inconvénients on est dans la croyance on est dans l'illusion et on ne peut pas euh, appréhender le monde tel qu'il est effectivement euh, ceux qui ne croient pas en la science et qui croient euh, dans des religions ou dans des sectes ou je sais pas quoi, ils ne sont pas équipés pour faire face au monde et, et profiter des connaissances du monde, etc., à leur bénéfice, pour se développer, pour euh, maturer, etc. Donc il est très important de voir le monde, le monde tel qu'il est, dans toute cette complexité, dans toute cette diversité. Ça, c'est la première chose, et c'est un signe de maturité. Vouloir continuer à perpétuer une illusion, c'est un signe d'immaturité. Je ne veux pas voir le monde tel qu'il est, je veux voir le monde tel que je veux le croire. D'accord Ça, c'est un signe d'immaturité. Tandis que je veux voir le monde tel qu'il est, même si je ne comprends pas, même si ça me montre que je suis encore très limité dans mes, dans mes connaissances, etc. Même si ça peut me montrer que je me croyais très avancé, le plus avancé, etc. Euh, dans, les, dans les espèces qui existent, et qu'en fait, non, euh, je suis... Une intelligence parmi d'autres intelligences et qu'il y a des intelligences, des intelligences, beaucoup plus avancées que moi. Peut-être que ça peut toucher l'ego, mais quand on est mature, c'est pas l'ego qui doit nous diriger. Bien sûr, il est copilote. Hein, je dis pas, il faut pas du tout avoir d'ego. L'ego a une certaine fonction, mais pas une fonction première. C'est euh, le raisonnement, d'accord C'est l'intelligence, c'est la maturité. Et comment dire Oui, c'est la, la, raison, la raison, la logique qui doit nous guider et ni la croyance. Ni l'ego. Première chose, pourquoi est-ce qu'il est important d'enfin prendre conscience que nous sommes visités par des intelligences extraterrestres Ça nous permet de voir le monde tel qu'il est, euh, effectivement. La deuxième chose, c'est que ça nous permet alors de commencer à penser aux politiques qui nous permettent soit de nous défendre d'une éventuelle présence euh, néfaste, maléfique. Attends, c'est quoi le mot que je cherche j'ai oublié euh, dangereuse qui nous veut du mal, etc. Donc on mettrait euh, en place euh, des systèmes de défense. A priori, on peut penser qu'ils seraient obsolètes puisque ces intelligences sont très avancées. Mais il faut toujours quand même essayer de tenter quelque chose, d'accord Si quelqu'un en face de moi euh, a une arme et que j'ai juste un bâton pour essayer de me défendre, je vais quand même essayer d'utiliser le, le bâton pour euh, une arme, je dire, une arme à feu. J'ai quand même prendre ce que j'ai sous la main pour essayer de, de me défendre. A priori. Euh, donc il ne faut pas baisser les bras parce qu'ils seraient tellement avancés que c'est même pas la peine de, de résister. Euh, ça c'est dans simplement l'hypothèse que certaines de ces intelligences soient euh, belliqueuses ou aient ou des, in des intentions, euh, c'est quoi le terme que je cherche, mauvaises envers l'humanité. Une autre chose que ça permettrait de mettre en place si on prenait conscience qu'effectivement nous sommes visités par des extraterrestres, c'est que si on ne pense, on n'aimait pas l'hypothèse que Parmi ces civilisations intelligentes, il y en a qui sont euh, négatives, néfastes. C'est quand même intéressant, utile, nécessaire, que ce soit pour des raisons de sécurité comme je viens de le dire, ou pour des raisons de simplement de, de connaissance générale, euh, mettre en place des politiques pour euh, avoir des capteurs, des radars, enfin tous les, euh, les senseurs, tous, les senseurs, comment on dit en français, sensors en anglais, enfin tous les appareils de renseignement qui nous permettent de savoir. Quand ils rentrent dans l'atmosphère, enfin, quand ils sont présents, euh, où est-ce qu'ils sont s'ils ils atterrissent ou s'ils ont peut-être même euh, des bases ici, ou s'ils ont des bases à l'extérieur de la Terre, essayer de repérer, ou enfin, voilà, simplement pour des questions de, de, de connaissance de notre monde, de notre environnement et d'avoir une, une un peu plus grande maîtrise de nos, de, nos, de notre espace. Voilà. Une troisième raison, c'est aussi pour des raisons de, de connaissance euh, scientifique, d'accord. Pour pouvoir les observer, voir ce qu'ils sont capables de faire, pour essayer de bâtir, de construire des hypothèses scientifiques sur comment ils sont capables de réaliser ce qu'ils font, euh, qu'est-ce qui, dans notre connaissance scientifique, euh, nous empêche d'arriver à comprendre comment ils font, et euh, quels sont les nouveaux scénarios euh, euh, out of the box, euh, comment dire, euh, audacieux auxquels il faut euh, réfléchir pour essayer de, de comprendre comment ces, ces appareils euh, fonctionne et puis aussi évidemment euh, prendre conscience de la réalité de ces visites extraterrestres ça nous permet aussi en tant que, que population de faire pression sur ceux qui a priori sont au courant et peut-être même en possession euh, d'engins extraterrestres etc voire d'extraterrestres de, même voire de contact avec des, des civilisations de faire pression une pression politique, une pression sociale, etc., une pression à, à tous les niveaux médiatiques, pour qu'enfin ils nous disent euh, quelle est euh, l'étendue de cette réalité et de nous donner un maximum, voire euh, tous les détails. OK Donc, s'il si y a trop peu de gens qui s'intéressent à ce sujet et qui ont enfin compris, pris conscience que c'est une réalité, il y a trop peu euh, en nombre de personnes, de personnes qui sont capables de faire pression pour savoir quelle est la réalité euh, de, de ce de l'existence de, des extraterrestres. Donc voilà, là j'ai essayé de dire, premier point, première raison pour laquelle il, il est important de prendre conscience de la, vie, de la présence extraterrestre, c'est simplement de voir le monde tel qu'il est et donc d'être une, une humanité plus mature. Quand on voit le monde tel qu'il est et pas tel qu'on le croit, on est une humanité plus mature. Deuxièmement, ça nous permet de mettre en place des politiques de défense dans l'hypothèse que... Euh, certaines de, de ces civilisations nous soient hostiles. je crois que c'est le terme que je cherchais. troisième point, ça nous permet de mettre en place de la surveillance. simplement, voilà pour, pour, être, pour avoir une certaine maîtrise de notre monde, et bien, voilà là si on ne peut pas les empêcher de venir. en tout cas, on les observe et on les enregistre. on sait que à telle heure, à telle latitude, tel jour, telle date, euh, etc. Euh, voilà, il y a eu telle observation, etc. que l'on sait de source certaine être un engin extraterrestre parce qu'on a mis tous les dispositifs de captation qui nous permet de savoir ceci n'est pas ni un, un engin terrestre ni un phénomène naturel, mais bien le tracteur du voisin qui passe à travers le quartier très doucement et très bruyamment. Voilà, simplement avoir une meilleure maîtrise de l'enregistrement et de, de la connaissance de ce qui se passe autour de nous, comme on met des caméras de vidéosurveillance dans la rue. Okay euh, je ne sais plus où j'en suis. Un autre point, c'est euh, au niveau scientifique, de la connaissance scientifique, d'essayer par l'observation, si ce n'est que ça en tout cas, euh, si on peut aller plus loin par euh, la possession et l'étude, etc., mais au moins par l'observation, approfondir notre connaissance scientifique. Et euh, un autre point, qui me semble aussi très important, c'est de commencer, et là c'est plus intellectuel et philosophique, commencer à imaginer qu'il y a d'autres façons d'organiser la société. Parce que probablement que, même si pour l'instant on ne voit que des engins, et encore on n'en a pas encore conscience, mais on commence à peine à prendre conscience que ce sont des engins qui ont été fabriqués ailleurs, qui sont peut-être pilotés par, actuellement par des intelligences euh, extraterrestres, euh, quand je dis pilotés actuellement, c'est qu'il y a des pilotes à l'intérieur. Ça pourrait être des choses comme des drones, d'accord, ou euh, des, des, euh, des engins suffisamment intelligents dans lesquels il y a une intelligence artificielle embarquée. Et donc, une civilisation qui ne se déplace pas nécessairement en dehors de son monde, mais qui est capable d'envoyer comme ça des, des engins autonomes euh, pour X raisons. Ou alors qu'ils restent, ils sont capables de, de sortir de leur monde physiquement, eux-mêmes, mais ils restent à bonne distance des, des mondes qu'ils observent en utilisant des, des intermédiaires de drones intelligents ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Je viens de me perdre dans mon raisonnement. Oui, donc. L'un des points qui me semble aussi très important, l'une des raisons pour lesquelles il me semble très important d'enfin prendre conscience de la réalité de l'existence des visites extraterrestres, c'est que donc on peut commencer à supposer quelle pourrait être leur organisation sociale, politique, euh, voire économique, euh, spirituelle, hein, à, tous les, à tous les niveaux. Okay Ils n'ont pas nécessairement le capitalisme. Sur Terre, encore aujourd'hui, beaucoup de gens affirme que c'est grâce au capitalisme que l'humanité se développe et que nous en sommes là où nous en sommes de notre développement, euh, le confort, euh, le savoir, euh, la médecine, donc la durée de vie, euh, le succès dans les naissances, etc., etc. Et que nous devons tout ça au capitalisme. Et le capitalisme, c'est à la fois une organisation euh, économique, mais en réalité, qui a un aspect hégémonique en cela qu'elle ne se cantonne pas simplement à L'économie, mais qu'elle va toucher la sphère politique, la sphère sociale, euh, mentale, euh, notre façon, nos façons de, de nous comporter, etc., et qui touche en réalité donc tout, tous les aspects de euh, même sexuel, euh, même peut-être religieux, tous les aspects de, de la société. Ok, et donc nous nous pensons encore à notre stade immature de développement que voilà, le capitalisme c'est la meilleure chose pour le développement, mais peut-être que ces autres civilisation ou parmi ces autres civilisations extraterrestres, ils n'ont jamais connu le capitalisme et ils ont une organisation économique ou en tout cas industrielle ou en tout cas de développement tout à fait autre. Par exemple, ils n'ont pas d'argent. Pourquoi pas On peut supposer ça. Par exemple, ils ont d'autres façons politiques de s'organiser. Ici, on pense qu'il faut élire un ou des leaders qui vont décider à notre place pour 5 ans ou 4 ans ou enfin ça dépend de la durée des mandats dans tel et tel pays et que le reste de la population est soit euh, trop immature, soit trop euh, émotionnelle, soit trop occupée dans sa vie de tous les jours, pour pouvoir euh, s'occuper elle-même de ses affaires, euh, qu'elles soient politiques, économiques, euh, à, à tous les niveaux. Okay et là, pour l'instant, on en est persuadé de ça. On pense que c'est comme ça que ça marche. Okay Mais peut-être qu'en se disant, tiens, s'il y a d'autres mondes intelligents, voire beaucoup plus intelligents que nous, est-ce qu'ils sont nécessairement organisés comme on est organisés alors qu'ici, on pense que l'organisation qu'on a, c'est la meilleure, c'est la seule possible, etc. Et qu'il n'y a pas d'alternative. On a soi-disant essayé le communisme, ça marche pas. Le socialisme, en fait, euh, ça marche pas non plus, etc., etc. Et donc, on est en train de, de penser, de croire, à l'heure actuelle, que voilà, le capitalisme, c'est le seul truc, l'élection, c'est le seul truc, c'est le meilleur truc, etc., qui peut marcher. Et, et euh, prendre conscience qu'il y a d'autres civilisations, c'est nous permettre de commencer à ouvrir des portes vers d'autres possibles économiques, politiques de façon générale, parce que l'économie c'est indépend de, de de la politique, politique signifiant je le rappelle encore ici organisation de la société. Voilà, euh, longue vidéo avec de nombreuses branches etc. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je souhaite et c'est l'effort que je fais actuellement sur ma chaîne participer très humblement, malheureusement très très humblement, avec peu de, de succès et peu d'écho, mais euh, en tout cas à mon niveau, avec euh, mes petits efforts, à cette prise de conscience, parce que tout l'objet de cette chaîne, et j'ai oublié de parler de, de la, spiritualité, la spiritualité aussi, qui est, euh, qui est un, un enjeu, je finis sur ce que je suis en train de dire, après je reviens sur la spiritualité que j'ai oubliée, voilà, tout l'enjeu de cette chaîne, le, le, le slogan de cette chaîne, c'est conscientiser pour libérer, ou je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, je le marquerai sur l'écran, mais voilà. Conscientiser, c'est-à-dire amener à la, con à la conscience, à la connaissance de telle ou telle ou telle réalité qui sont pour l'instant ignorées et qui, si elles étaient connues, nous montreraient le, jour, le monde sous un nouveau jour, plus vaste, avec beaucoup plus de possibles et, euh, et avec, euh, idéalement, des euh, conséquences bénéfiques pour notre vie euh, individuelle et collective. J'ai parlé de démocratie. J'ai parlé d'alternatives économiques autres que la monnaie, enfin j'en ai pas suffisamment parlé, mais j'en ai un peu parlé sur cette chaîne. Je parle aussi beaucoup de spiritualité, qui sont des alternatives à la religion. Ok, la religion, dans le meilleur des cas, c'est une forme de spiritualité, mais c'est pas la meilleure euh, de, de mon point de vue. Et pourtant, la spiritualité, elle est absolument centrale et en réalité, elle est même première. Elle est première par rapport à la politique, elle est première par rapport à ce que j'appelle l'exopolitique, c'est-à-dire la prise de conscience que nous sommes visités par des euh, civilisations extraterrestres pourquoi exopolitique parce que ça a un impact sur notre euh, sur notre organisation sociale d'accord donc exo c'est extérieur à la terre politique c'est l'organisation de la société et le fait que nous soyons que nous soyons visités par des euh, civilisations extraterrestres a des impacts sur l'organisation de la société par exemple pour le moment l'impact que ça a eu au niveau de l'organisation de la société américaine dans le domaine de la défense c'est qu'il y a un groupe qui a fait sécession avec le reste non seulement de la société américaine mais de l'humanité dans son entièreté pour accaparer et être la seule euh, en connaissance de la réalité du de la, du phénomène enfin du phénomène de la réalité de de la visite et de la présence et de l'existence extraterrestre aussi ok donc ça voilà c'est une une conséquence organisationnelle parce que eux voilà ils ont formé leur groupe ils ont formé des, des processus etc etc et tout ça c'est bien une organisation et donc c'est bien euh, ça a bien un impact sur la sur la société quel impact ça a sur la société? C'est le fait que... Attendez, je vais fermer la... Pourquoi il fait demi-tour avec son tracteur Qu'est-ce qu'il fait à traverser le, le quartier en long et en large euh, quel, quel impact ça a sur la société Eh bien, si la connaissance de l'existence des extraterrestres avait été partagée, on peut déjà supposer que ça aurait eu tel bénéfice ou tel impact sur, sur la société. Alors que là, voilà, ça a été caché et donc ça a eu des impacts neutre ou négatif, d'accord, négatif, c'est à dire que si telle maladie existe et euh, quelqu'un a trouvé le remède mais ne veut pas le partager, eh bien beaucoup de gens continuent à mourir. Donc si dans le cas des extraterrestres euh, il y a un groupe restreint d'humains qui sont en possession de technologies qui pourraient par exemple révolutionner la façon dont on produit, produit l'énergie ou peut être régler toutes les maladies ou que sais je et qui le gardent que pour eux, eh bien on continue. Voilà, le truc négatif, c'est qu'on continue à, à subir les, les, les conséquences négatives de ne pas connaître ceci. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, je me perds tout seul. Voilà. Donc, mon humble effort, c'est d'essayer de partager ce que je crois. Évidemment, je suis intimement persuadé, convaincu au plus profond de mon être, et j'ai envie de dire même de ma conscience, les religieux parleraient d'âme, que... Certaines des informations, voire la totalité des informations que je vous partage, sont capitales, fondamentales dans le développement de l'humanité, au niveau individuel et au niveau collectif. Les, collectifs, les deux ne, se, ne sont pas contradictoires et au contraire sont complémentaires, je l'ai dit aussi dans, dans mes vidéos. Donc, la raison pour laquelle je fais cette chaîne, la raison pour laquelle je parle de spiritualité, parce que c'est fondamental, c'est de, de nature à révolutionner l'humanité pour qu'elle fasse un pas significatif vers la maturité et vers son développement c'est la raison pour laquelle je vous parle de démocratie, de politique de façon générale c'est aussi pour les mêmes raisons de faire un pas fondamental euh, en, en avant euh, conséquent vers une meilleure organisation avec des conséquences bénéfiques Ex euh, euh, même chose pour les euh, pour le sujet euh, exopolitique etc Maintenant, je reviens donc et je termine là-dessus sur le sujet euh, spirituel. En réalité, je viens de le dire, la spiritualité est centrale parce que notre véritable nature, je l'ai déjà dit dans mes vidéos sur la spiritualité, je ne vais pas euh, rappeler tout ça ici, mais en réalité, notre véritable nature est spirituelle et pas matérielle. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des esprits qui nous incarnons dans des humains, euh, je ne vais pas tout réexpliquer. Bref. Donc, la spiritualité, en réalité, est première, même si pour l'instant on n'en a pas conscience parce qu'on est dans un stade... Encore immatures, adolescentes de notre, de notre humanité. Et donc, le fait de prendre conscience de la réalité, de la présence d'intelligence extraterrestre, c'est aussi de nature à nous, inter à nous interroger sur l'état actuel de, no de nos spiritualités, typiquement la religion. Par exemple, est-ce que ces extraterrestres croient en Dieu Est-ce qu'ils sont chrétiens Est-ce qu'ils sont musulmans Est-ce qu'ils est qu sont. Euh, comment ça Juifs, ou, euh, bouddhistes, ou que sais-je, ou est-ce qu'ils sont autre chose, ou est-ce que ils croient en quelque chose, ou ils sont tous athées, est-ce qu'ils ont une meilleure connaissance de, de, du monde immatériel, du monde spirituel, etc. Qu'est-ce qui pourrait nous apporter, euh, quelles conséquences leur spiritualité, ou, ou leur absence de spiritualité a sur leur euh, organisation de la société, etc., etc. A priori, ça a un, un, un intérêt, parce que eux sont capables de nous visiter alors que nous, nous en sommes pas capables. Donc, savoir quel est l'état de leur spiritualité existante et comment elle existe ou inexistante et quel impact ça a, ça a une importance parce que ça leur a permis de se développer tel qu'ils se sont développés. Okay et j'ai espoir, mais j'ai aussi des craintes, que parmi ces euh, civilisations qui nous euh, visitent, il y en a qui ont une connaissance plus avancée de notre véritable nature. Spirituelle et, et donc pas matérielle, et qui pourrait, pas tout de suite, si elle est mature elle-même, elle sait qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais euh, à partir du moment où on prend conscience à un niveau euh, critique, une masse critique suffisante, peut-être qu'elle pourrait commencer à faire le premier pas, d'accord, commencer à se montrer ou que sais-je, pour à un moment donné euh, nous apporter des connaissances d'ordre spirituel. Euh, significative, c'est-à-dire bénéfique pour, pour notre développement. Bien sûr, c'est aussi le cas pour la technologie, les connaissances scientifiques, ou que sais-je, mais notamment aussi spirituelles. Et mes craintes, c'est que parmi les, ces civilisations qui, qui nous visitent, en particulier celles qui sont, j'ai encore oublié le mot, négatives, eh bien, soit elles n'ont pas tout simplement de, de spiritualité, et donc elles sont absolument matérialistes, ce qui entraîne aussi une forme d'organisation et une forme de comportement et de mentalité, etc., avec des effets très négatifs de mon point de vue, que l'on peut aussi observer sur Terre, avec euh, voilà le capitalisme et toutes ces choses, machin. Mais elle pourrait aussi avoir une spiritualité qui justifie son, son comportement hostile envers des civilisations immatures telles que, telles que la nôtre. Par exemple, dans la Bible, voilà il est expliqué que Dieu a fait le monde et tout ce qu'il y a dessus pour que l'homme en jouisse et en soit euh, propriétaire. Donc les animaux, la nature, etc. Et donc on peut faire, euh, ça justifie un peu euh, de faire tout et entre guillemets n'importe quoi. Euh, en tout cas, de, un manque d'éthique par rapport au, au monde animal, végétal, euh, à l'environnement. Et donc si c'est parmi ces civilisations hostiles, ça je retrouve le mot, il y en a qui ont une, une spiritualité qui se rapproche de ça et qui justifie donc nous nous sommes avancés. Et eux ils sont, ils sont euh, immatures, ça justifie qu'on les domine ou, ou, ou je ne sais quoi. Euh, voilà, c'est aussi important de, de connaître euh, l'aspect le, le, euh, spirituel du, euh, du sujet euh, exopolitique. Allez, j'arrête cette vidéo qui fait déjà 36 minutes. Euh, comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des questionnements, parce que j'ai euh, pas été euh, très clair, exprimez-vous dans le respect. S'il vous plaît, intéressez-vous de façon absolument froide et scientifique. Il ne s'agit pas de croire aux ovnis, d'accord Il faut arrêter de croire quand on est mature, on n'est plus dans la croyance et on est dans je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, je ne dis pas je sais et ça c'est pas possible. Comme on est dans je ne sais pas, eh bien alors qu'est-ce que je peux euh, recevoir comme information Parmi ces informations, qu'est-ce qui se répète et qu'est-ce que je peux confirmer comme étant quelque chose d'a priori fiable Qu'est-ce qui, pour l'instant, n'est pas fiable, mais que je range dans un coin en disant, bon, ça, pour l'instant, je n'en sais rien et je vais pas le rejeter parce que j'ai des croyances qui font que ça, ça ne peut pas être possible, point barre. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas suffisamment d'informations qui viennent se s'agglutiner se, les unes aux autres pour dessiner une réalité. Et donc, ces morceaux d'informations potentielles, peut-être que ce n'est pas du tout de l'information et que c'est de l'intox ou que c'est simplement une erreur. Et eh bien à un moment donné, je le saurai, mais pour l'instant, je ne suis pas capable de dire quelle est la nature de l'information que je reçois, intox, valide ou juste une erreur. Et donc pour l'instant, je la range de côté pour pouvoir éventuellement la tester avec de futures informations. Voilà. Donc s'il vous plaît, intéressez-vous de façon non passionnelle, non dogmatique, mais véritablement simplement ouverte et froide au sujet. De l'existence de la visite extraterrestre, parce que peut-être qu'il y a un processus, en particulier aux États-Unis, qui est en train de se mettre en place pour enfin nous habituer à un niveau mondial, global, de, ce, de cette masse critique dont je parlais tout à l'heure, à la réalité de la présence extraterrestre. Et, euh, allez, puisque cette vidéo est longue, je continue. Il y a soit de bonnes intentions, et parmi les gens qui savent, il y a peut-être un conflit entre ceux qui veulent garder pour eux, pour ce, ce groupe-là, la connaissance telle que ça a été le cas pour, pour des décennies, pour X raisons, peut-être même pour des raisons que l'on pourrait... pour des raisons éthiques que, que l'on pourrait comprendre, même si c'est pas... Il peut y avoir des, des motivations éthiques, même si en réalité, la conséquence est négative. Des fois, on essaye de faire le bien et on fait le mal, d'accord euh, Soit alors, ça peut être pour des... Des raisons tout à fait égoïstes aussi. Donc il y a probablement dans les gens qui savent, qui sont déjà au courant, qui ont déjà vu des extraterrestres, qui sont en possession des, des engins, etc. Voilà. Il y a peut-être une partie comme ça qui veut continuer à garder le secret et peut-être qu'il y a une partie qui depuis un certain temps déjà, quand je dis un certain temps, ça se compte peut-être en années, peut-être même en décennies, qui dit en fait non, il, il faut pour X raisons dévoiler au, au, au plus grand nombre à l'humanité la réalité de, de, de l'existence des, des extraterrestres, de la présence des extraterrestres. Soit parce qu'ils ont partagé le fait qu'il ne fallait pas partager, ils ont partagé avec l'autre partie du groupe le fait qu'il ne fallait pas faire connaître ceci pour des raisons de sécurité nationale, pour des raisons d'équilibre de la société, justement je parlais de religion et de ne pas remettre en, en question toutes ces choses, etc. Mais peut-être qu'ils se sont aperçus que leurs propres ressources, quelles qu'elles soient, financière, matérielle ou scientifique, est trop limitée pour comprendre, pour appréhender le phénomène. Soit ils se sont aperçus qu'en réalité, euh, le phénomène auquel ils ont affaire est beaucoup plus hostile, beaucoup plus... Euh, a des implications beaucoup plus graves et que donc il faut qu'un maximum d'entre nous soyons au courant pour X, x raisons, euh, desquelles on peut discuter. Si vous êtes intéressé par le sujet, euh, contactez-moi, je, je, je suis très intéressé par parler publiquement de... De, des choses un peu plus de façon profonde. Euh, et que donc voilà, ils ont fini par se dire, il faut partager cette connaissance pour qu'il y ait plus de cerveaux qui travaillent sur la réalité de ce phénomène, pour essayer d'en sortir quelque chose de bénéfique, ou pour essayer d'éviter une catastrophe qui le voit avancer à, à grands pas. Que sais-je, il y a tout un tas de, de scénarios possibles, et même certainement des choses auxquelles je, je ne pense pas du, du tout. ok Et que donc voilà, ça c'est le côté positif. Il y a, parmi ceux qui savent, des gens qui se disent maintenant il est grand temps de révéler euh, la réalité euh, à la population euh, euh, mondiale. Okay et donc ça c'est une motivation euh, positive. positive. Mais il y a peut-être un autre scénario où il n'y a pas nécessairement une euh, scission dans un même groupe de deux, euh, de deux parties, celle qui veut garder euh, tout pour elle et celle qui veut révéler, mais peut-être qu'il y a toujours une cohésion du groupe. Mais que pour X raisons, et là on peut supposer, supputer, faire des hypothèses sur les raisons, et eh bien même avec de mauvaises intentions, ils veulent nous habituer à l'existence extraterrestre pour X raisons. Par exemple, l'une des hypothèses que l'on trouve sur Internet, c'est que après nous avoir fait peur avec euh, le terrorisme islamique, et eh bien voilà, la nouvelle menace, ça serait une invasion extraterrestre. Mais la motivation derrière ça, c'est qu'ils savent qu'il n'y a pas réalité. Euh, réellement d'invasion extraterrestre, il y a une présence extraterrestre, mais il ne s'agit pas d'invasion, mais eux veulent euh, imposer soit la liberté, soit soit la sécurité. Vous savez, c'est toujours le, le chantage qu'ils nous font. Et donc, euh, ils veulent imposer un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre comment dire sécuritaire. Pour nous protéger soi-disant de cette soi-disant invasion extraterrestre, donc il faut bien révéler l'existence de, de ces extraterrestres, mais en la présentant sous un jour négatif. Là, je ne sais pas, hein, je vous ai dit tout à l'heure, tout, tout est possible. Il y a très certainement, enfin très certainement, j'en sais rien du tout. Il y a possiblement, hypothétiquement, parmi ces civilisations qui nous visitent, des civilisations qui sont négatives, d'accord Mais pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement le cas, et ce n'est pas nécessairement le cas de toutes ces civilisations. Ok, et peut-être même que parmi les civilisations négatives qui nous, euh, qui nous visitent, peut-être qu'elles sont gardées en respect, comme on dit, par d'autres civilisations ou par une coalition d'autres civilisations neutres ou bénéfiques et qu'ils empêcheraient de, de nous envahir. Donc, le fait qu'il y ait potentiellement des, des civilisations hostiles ne signifie pas nécessairement donc qu'elles qu nous envahissent ou qu'elles vont essayer de nous envahir ou qu'elles nous ont déjà envahis, etc. C'est une possibilité, je ne suis pas en train de nier ceci. Mais je suis en train de dire qu'il faut garder tous les scénarios possibles en tête, ok Et que donc, l'autre agenda négatif de la, de la disclosure, de la révélation de la présence extraterrestre, voilà c'est pour simplement imposer un nouvel ordre sécuritaire pour en réalité garder... Une emprise sur l'humanité et pas en réalité pour nous défendre contre d'éventuels extraterrestres euh, hostiles. Je suis en train de traduire deux vidéos, une de 5 minutes et quelques, et une plus intéressante encore, mais plus longue, un quart d'heure ou je sais pas quoi, de l'anglais vers le français sans prendre du temps. Essayez de regarder ces vidéos parce que, encore une fois, les gens qui témoignent sont des gens qui ont eu des responsabilités très importantes dans la défense et on ne donne pas ce genre de responsabilités. À des, à, des, à des fous, ok, et qui révèlent, qui font des déclarations profondément révolutionnaires. D'accord Donc essayez de regarder euh, ces vidéos et euh, voilà, tout simplement de vous intéresser pas seulement sur, sur ma chaîne, mais euh, partout où vous pouvez à cette réalité euh, de l'existence extraterrestre. Comme d'habitude, exprimez-vous dans le respect. Comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité. Vive la France et vive les Français qui prennent conscience de la dimension plus vaste de la réalité dans laquelle nous vivons.